Je me souviens d'Anna avec tristesse et avec tendresse. C'était une journaliste de première classe et sans elle, c'est difficile. Même aujourd'hui, alors que 5 ans sont déjà passés, lorsqu'il y a tout d'un coup une situation critique, je me dis, j'aurais bien appelé Anna. Elle aurait écrit à ce propos. C'était une journaliste pas comme les autres. Elle avait la capacité de faire bouger les choses, de faire bouger ceux à propos desquels elle écrivait. Elle avait beaucoup d'énergie intérieure qu'elle transmettait à travers ses papiers. Elle permettait au monde de tourner. On n'arrive pas à faire vraiment bouger les choses. Elle pouvait. Elle écrivait d'une telle façon que... Bien sûr, elle était menacée, mais grâce à elle, les affaires allaient au tribunal. Grâce à elle, ceux qui se faisaient torturer arrêtaient d'être torturés et obtenaient justice. Des affaires comme cela, il y en a eu plein.